Il y a 4 mois, Charles Biddine, l'actrice principale du film Sans filtre, est décédée alors qu'elle n'avait que 32 ans. Les causes de son décès ont finalement été révélées. Fin août, alors que l'été touchait à sa fin, l'actrice Charles Biddine est décédée à l'âge de 32 ans dans des circonstances qui étaient inconnues. Cette jeune femme originaire d'Afrique du Sud a beaucoup fait parler d'elle durant le printemps dernier puisqu'elle est l'actrice principale du film Sans filtre, le long métrage qui a reçu la Palme d'Or lors du Festival de Cannes 2022. Rapidement après sa disparition, le réalisateur suédois, Ruben Östlund, a tenu à lui rendre hommage, en plus des nombreux témoignages d'internautes choqués par son décès. Y est-il un honneur d'avoir pu la connaître et travailler avec elle. Charles B avait une sensibilité qui inspirait ses collègues et toute l'équipe. L'idée qu'elle ne sera plus à nos côtés dans le futur me rend très triste, a-t-il écrit sur Twitter. Les causes de son décès ont été dévoilées dans le communiqué transmis pour annoncer sa mort, il était mentionné que l'actrice était décédée d'une maladie soudaine et inattendue. Une source a confié, ce mercredi 21 décembre, au magazine américain People ce qu'il s'est passé. Charles Biddine a succombé à une septicémie bactérienne, une affection potentiellement mortelle qui correspond à l'infection du sang le plus souvent par une bactérie. Une complication due à une asplénie, précise le bureau du médecin légiste. Cependant, il est encore compliqué d'expliquer comment elle a été infectée par cette bactérie. En 2009, la mannequin a eu un grave accident de voiture qui a nécessité l'ablation de sa rate. Lors de ce drame, elle avait aussi souffert d'un pneumothorax et de plusieurs côtes cassées. Charles Biddine devait se marier prochainement. Son décès a bouleversé son entourage, mais aussi son petit ami, Luke Volte, avec qui elle s'était fiancée dans les rues de New York. Salut tout le monde. Je voulais juste poster une photo de Charles B, mais si est-ce un peu difficile. Si est-ce juste que je ne peux pas vraiment leur répondre pour le moment. Mais merci, les gars. J'apprécie. Je vous aime, a confié l'homme de 26 ans, très ému face à la caméra, 3 jours après sa disparition. Toujours très affecté, en octobre dernier, il donnait de ses nouvelles Instagram en révélant pleurer tous les jours quand il pense à Charles Biddine. À lire aussi mort de l'actrice Charles Biddine, les internautes bouleversés transmettent leurs condoléances à son fiancé.